flame on a beat. He say he a real nigga, he got bitch in his heart. Just left the bank, I don't know where to start. I'm off the lean, I'm laid back in the car. Diamonds be so ice. Hey yo, what's up les gars, c'est ton gars Mister Code Gaming. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va faire le défi échauffement semaine 32. Donc ce défi là, donc j'ai déjà fait les 4 premiers. Maintenant je vais faire le dernier, le 5e, et vous débloquer un Michael Jordan Ruby les gars. Donc par contre ce qui est un peu dur sur ce défi, bah c'est d'avoir les joueurs en fait. Là vous voyez rien, description des règles, il n'y a rien écrit. Bah il faut avoir 4 joueurs des Bulls. Et ensuite tu dois utiliser 4 joueurs des Bulls, tout ça. Donc voilà. Ça a été vraiment dur, hein. Ça a été vraiment dur. En tout cas, ils nous ont pas vraiment aidé. Donc voilà, j'ai changé ma formation. Là, il faut utiliser 10 joueurs des Bulls. Faut jouer tout le match, je crois, et gagner contre le Jazz. Et bah, c'est parti, les gars. On va juste voir l'équipe. Ah oui, on joue contre le Jazz. Donc voilà, c'est parti, les gars. C'est parti les gars, entre Whiteside et je sais pas qui. Bon, on a perdu l'entre deux, c'est pas grave, la difficulté elle est en superstar. Donc ça va être dur quand même parce que j'ai pas l'équipe que je veux. Je dois utiliser 10 joueurs des Bulls dans l'équipe. Bien joué Dwayne. Faut que je calme le jeu là. Hop. Wait. Il est tout seul. Ah, bien joué. Ah, dommage. Lancé franc. Premier. Il est dedans. Deuxième. Ouais, c'est dedans. Bien joué. Ah, fais attention. Non, pas trop en échec. Y a personne au rebond. Hein. Ouais, oui. Y a personne au rebond. Allez, les bras, on va essayer de faire une tactique. Là, on va essayer de faire un 89 fist 15 flat. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est cette tactique là. LeBron qui va au dunk. Bien joué, magnifique. LeBron. Chris Dunn. Felicio. Ouh, bien joué. Pick and roll. Ouais, là, j'ai que des joueurs bronze et argent. Donc, c'est pas facile. Ah, Stockton. Ah, c'est raté. Et le rebond, ouais, c'est dedans. Voilà, je l'ai dit, c'est dur. Hein. On va essayer de faire la même. Felicio, tu coupes. Non, je voulais la passer à Holiday. Oh non, mais ça c'est... Oh là là. Ah, dommage. Chris Dunn. Bien joué. Deuxième lancé franc, je crois qu'il est bon. Oh, j'ai rien dit. Hein. Non. Le mec il va pas le laisser passer. Non. Avec le premier coup, rac, il a fait. Allez, Holiday, 3 points. Bien joué. Il est froid. Non, ça rentre pas. Non, merci. Fin du premier carton. On mène de 6 points. Allez, Dunn, bien joué. Voilà. Bien joué. Plus 8 maintenant. Et défense. J'essaie de faire une bonne défense. Alors, regardez. Non, jamais. Jamais, mon gars, jamais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Putain, ils sont lents. Oh, regarde les moves qu'ils font. Oh là là. Oh, je vais faire un... Mais bouge. Putain, ils voulaient pas bouger. Oh là là. Oh, c'est quoi ce cafouillage? Oh, bien joué.
Allez, LeBron est de retour. Hop. On y va, on y va. Edouard, LeBron. Bien joué. Plus 10. Allez, pourquoi pas le lancer franc avec. Ah non, dommage. Dommage, LeBron, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a eu les deux points. Par Malone, bien sûr, mais les autres. Aucune idée. Step back. Ouh. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Hein. Vas-y, LeBron, on va faire la même action. Tu pars tout seul, t'es le king. End one. Ah, dommage, mais. Encore une faute. On va essayer de faire ça. Bon, par contre, faut qu'il marque les lancers, LeBron. Voilà. On passe à LeBron. Parce que là. C'est un peu la hesse, mon frère. LeBron, encore. C'est une machine. 9 points. Il doit avoir la moitié des points sur ce carton là, LeBron. C'est un monstre. Allez hop. Mais t'es sérieux? Putain, c'est qui lui plus cher? T'es qui? Oh, Whiteside, ça c'est open. Hein. Ça c'est open. Ça c'est un dunk. Facile, Hassan Whiteside. Diamant, hein, c'est, je vous le rappelle. Hein, diamant. 95 général. Meilleur joueur de mon équipe. Regardez la preuve. Bon, c'est la fin du deuxième carton là. Je vais faire rouler la balle. Allez, jette-toi. Voilà. Oh putain, il a raté le con. Ah, Dwayne Wade, t'es con. Allez, début du troisième carton, plus 7 points. 25-18 pour nous. Allez, LeBron. Le spin. Ah, bien joué, Markkanen. Faire une tactique pour Corver là. C'est la première fois que je fais celle-là. En tout cas, c'est une tactique pour. Wesh! Ah! Ah, c'est raté quand même. Bien joué la défense là, LeBron. Tu dégages. Non! Putain! Allez, LeBron! Ah! Non! Pourquoi il y a une faute? Non! Mais regarde-moi ça, y a pas faute. Putain, j'ai touché que la balle. Oh. Vas-y, on va faire une petite tactique avec LeBron. Hop, l'écran. Whiteside est open. Chris Dunn est open. Oh, dommage. Chris Dunn, LeBron, l'extra passe à 3 points. Oh, c'est magnifique. Mais regardez-moi ce mouvement de ballon de à la Spurs là. Ça, c'est magnifique. Oh là 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 là. Mais que c'est magnifique quand on joue comme ça. C'est Karl Malone. Oh putain. Ouh, bien joué. Je crois que j'allais la mettre. LeBron, and one. Non, dommage. De lancer. Allez, LeBron, s'il te plaît, mets-les les deux. Allez, ah bah non. Toujours LeBron, il fait un 1 sur 2. Ça me casse les couilles de faire un 1 sur 2. Bah non. Vas-y, Chris Dunn. Est-ce que tu peux nous montrer que t'es pas nul? Est-ce que tu peux nous montrer ça? Ah bah non, parce que t'es nul en fait. Vas-y, je te donne ta deuxième chance, toi. Je te donne ta deuxième chance. Et voilà, enfin. Vous entendez la petite caisse là qui fait turning? Ça veut dire money in the bank. 4 secondes. Oh, bien joué. On tente. Oh, ouh, dommage. Fin du troisième carton. Plus 14. On est bien. Je sens bien le Michael Jordan Ruby là qui va arriver dans pas longtemps. Oh non. Oh putain, le switch qu'il a mis. Oh. Damn. Vas-y, Dwayne Wade.
C'est un petit pick and roll. Hassan, bien joué. Costaud en or. Et bien joué là. Il a failli intercepter quand même. Hein. Mais bon. On a de la chance. J'espère que ça va rester comme ça. Stockton. Ouais, ça rentre. Ça, c'est normal. Stockton, déjà, il a un shoot hyper rapide et. C'est un des meilleurs shooters de l'histoire. Donc bon. Facile, doit tout seul. Hein. Eh, mais il est où votre défense là? J'entends rien, putain. Vous êtes où? Bon, on va se faire un petit poste. Hop. Fade away. Fade away. Voilà. Bien joué, Markkanen. Non, kiff. Non, non, non. LeBron, oh là là, les gars, oh là là, oh là là! Ah putain, j'ai voulu qu'il fasse un poster. Pardon pour vos oreilles, par contre. Hein. J'ai fait exprès. Allez, une contre-attaque. Allez, faute. Hey, LeBron, mêlez-moi les deux, s'il te plaît, s'il te plaît! Oh là là, mais LeBron, mais t'es pourri ou quoi? Au lancer franc, putain. Oh là là, ça, ça mérite un big bro. Ah putain, LeBron. Ah là 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 là, Michael Jordan, les gars, vous imaginez, Michael Jordan. Vas-y, LeBron. LeBron, il y va et la faute. S'il te plaît, LeBron. S'il te plaît. Ouh, vas-y. Ça là, je suis confiant. Si tu la marques, t'es meilleur que tout le monde. Même Michael Jordan. Let's go. Enfin, LeBron, un 2 sur 2. Enfin. Enfin, enfin. Voilà. Je vais pas faire de coupure là. C'est à peine 37 secondes. Donc, ça a rien. Non, putain, non, 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 non. Par contre, il faut que je me concentre là. Pas que je fasse n'importe quoi. Pas de 3 points. Bon, de toute façon, ils ont mis le. C'est le banc. Enfin, ouais, c'est le banc. Non, non, non. Oh, oh, ah, 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 non. Putain, je voulais passer à Justice Holiday, mais c'est bon, c'est fini. Il reste 7 secondes, si tu veux marque le 3 points, mais si tu veux pas, ne marque pas, fais rien s'il te plaît. Je m'en fous, vas-y, tu la mets, non, tu la mets pas. C'est pas grave, je m'en fous, on a gagné les gars, on a gagné. Let's go Michael Jordan. Michael Jordan en rubis les gars. Let's go. Je m'en bats les couilles des MT là, je veux juste mon Michael Jordan. Putain, quand même 1016 MT, hein. Putain. Pouah. Attendez, attendez, je vais juste voir un truc. 9 lancés. Tout... Ouais, c'est bizarre ça. Bon, bah, ah là là, les gars, regardez-le. Regardez-le, Michael Jordan. Ah putain, regardez-le. Putain, 89 de général. On va voir ses stats. 1m98, 88 kilos. C'est en arrière. 36 ans, je crois que c'était quand il était. Les finales contre le Jazz, sûrement. Regardez ses stats, les gars. Alors, double passe sans élan 85, d'accord. Vidéo poste 90, tir de près 91, tir ouvert 90. Putain, oh, 3 points ouverts 119. Bon, ça va, c'est pas le pire non plus, mais c'est pas le meilleur. C'est franc 84, 88 de contrôle de ballon. Hein. Donc, il peut speed boost, contester le tir. 95, ça, il est très bon en défense. Hein. Contre, il lui manque un petit peu. Dunk avec élan, c'est tout, 75. Je croyais qu'il y allait avoir un peu plus, bon. Parce que bon, c'est un rubis non plus, ils vont pas te mettre... vont pas te mettre un Michael Jordan avec des stats de ouf, hein. 98 en main, 95 en réactivité, 95 en régularité offensive, ça c'est important. Lui tire 80, pressing 86, 85 en endurance. Vraiment, il a des bonnes stats, hein. Tendance au tir 39. C'est bon, il a aucune blessure. En vrai, c'est badge. Marquant infatigable. Oh, ça, c'est bien, ça. Tireur difficile. En Hall of Fame encore. Ça, c'est très bien. Sniper à mi-distance, c'est bien, ça.
Lanceur intraitable. Attraper et tirer. Très bien. Sinon, il a des ADN de chance. Arrive à voir rapidement. Ouais, ça, je connais. Et c'est tout, hein. C'est tout, vraiment. Je suis hyper content. Re, les gars, donc, j'ai débloqué un autre joueur rubis que je viens de remarquer. Tout à l'heure, je n'avais pas remarqué. Mais je viens de débloquer Bruce Bowen après le match. Parce que j'ai terminé le. J'ai débloqué le cinquième défi. Le cinquième jeton aujourd'hui. Donc, je viens de le débloquer. Bon, voilà, c'est cool, hein, Bruce Bowen, un ailier des San Antonio Spurs. Il y a 95 en 3 points ouverts quand même, hein, 95 en contesté. Vraiment un bon joueur, ça fait plaisir. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc voilà les gars, on a Michael Jordan en rubis. On peut le voir là, le magnifique Jordan avec ses magnifiques Jordan 1 Breads. Black and Red. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu. Ça a motivé énormément, pardon, à faire de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Et oh, il fait un 360. Et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vos potes pour leur montrer, tiens, regardez, ce mec-là, il joue bien, tout et tout ça. Ouais, oh, merci les gars, merci. Allez me voir sur mon Facebook. Likez ma page qui est dans la description. Mon Twitter aussi, abonnez-vous. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez les notifications pour manquer aucune de ces vidéos. Parce que ces temps-ci, je poste beaucoup. Comme vous pouvez le voir, hier, j'ai posté 3 vidéos de suite. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous, passez une bonne soirée. Peace!